Salut tout le monde, c'est Largouin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bordélique, sur Ainity. Bon, là, je suis tout seul, donc voilà. Et là, on va pas aller dans le Nether, vu que du coup, je vais aller dans le Nether avec un autre invité qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et du coup, je vais essayer de faire un autre, par exemple, un autre item slime fun, ou voir ce que je peux faire d'autre. Donc, alors, là, hop, haute barre pets, en fait. Voilà, hot bar pets, big pet, diamant. Ok, donc on va essayer pig pet aujourd'hui. Donc alors, on a besoin de carottes. Est-ce qu'on a une carotte? Non, on n'a pas de carotte. Ok, est-ce qu'on a raw pork chop? On a ensuite de la redstone. On a aussi, en vrai, il doit y avoir à peu près les mêmes pour les autres. Pète, donc ça devrait aller. Ensuite, diamant. Voilà, diamant comme ça. Donc là, voilà, on va garder ça de côté. Voilà, et du coup, report shop, il en faut combien? Deux. Si j'en ai... Ok, j'en ai d'autres. Voilà, j'en ai quatre du coup. Du coup, on va avoir un autre pet, vu que celui-là, je crois qu'on va pas pouvoir le faire maintenant. Il y a besoin d'une carotte et je sais pas comment l'avoir. Ça, par contre... On pourrait le faire. Je crois qu'on pourrait. Je suis pas sûr en vrai. Je suis pas sûr du tout. Est-ce qu'on a vraiment une plume dans le coin? Parce que si on n'a pas de plume et si je fais slash, bon, j'ai pas accès. Est-ce que on a une plume? Plume? Non, il y a pas de plume. Putain, on va devoir regarder tout. Les mobs, voir ce qu'il y a. Donc là, c'est du lap. Ouais, là, ça devrait le faire. Raw beef. Du raw beef. En vrai, on doit en avoir. Ah, mais non, en vrai. Ouais. Bah, on va faire le. Attendez. Lequel est le plus avantageux? Gives you eggs. Ça peut être cool. Ça peut être cool. En gros, on va rassembler ce qu'on a de là, en vrai. Donc, l'or. On l'a pas. Je vais voilà remplir un peu. Hop, portable crafter. L'or, on l'a pas. Enfin, on l'a pas ici. Là non plus. Ensuite, la redstone, on en a besoin de 4. Il y en a, voilà. Il y en a, donc j'en mets 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on a besoin de... Hop, un d'or, voilà, redstone, raw chicken. Donc du poulet pas cuit, on en a zéro. Donc je vais aller chercher, voilà, on va chercher du poulet pas cuit avec des plumes. Donc en gros des poulets. Et puis après je vais chercher de l'or. Ok, mais avant, voilà, on va aller au spawn. Warp spawn. Hop, et là du coup on a le healer. Bon, il est un peu caché. Et d'ailleurs il vous permet, si par exemple vous avez un problème, bon là j'ai pas accès à la commande. Mais si vous avez un problème avec votre vie qui au maximum est à moins de 20, enfin à moins de voilà 20 points de vie là, ça vous les remet à 20 aussi, voilà. Ou si c'est à plus, tout simplement. Mais bon, si c'est à plus, vous allez sans doute vouloir garder vos cœurs, donc vous allez juste faire un slash heal si ça fonctionne. Je crois que ouais, on a pas mis les permissions. Vous devez aller ici pour vous heal. Alors du coup. Là, on peut retourner au home. Bon, j'ai pas encore clear mes homes, mais bon, je vais penser à les faire. Donc, on a home base. Voilà, base. Ok. Donc le home base, il... Ah non, ouais, on avait animaux. On a juste besoin des... Ouais, on a juste besoin de poulets. Donc warp animaux. Il y en a... Il y a plus d'animaux. J'ai tout buté. Vraiment, j'ai tout buté. J'ai buté tout. Déjà, les chunks, j'ai pas mis assez de chunks pour vidéo settings. Du coup, ça doit un petit peu jouer, voilà. Parce que j'avais fait un peu de PVP avant. Ok, bon. On a ça. Ah oui, bah voilà. Raw mutton, je sais plus pour lequel c'est. Je crois que c'est pour le truc de mouton. Mais pour le truc de mouton, c'est où? Ah mais non, on n'avait pas vu le truc de mouton. Le mouton, c'est marqué quoi? Oh ouais, ça c'est trop compliqué à faire.
Ça. Ah, ça c'est faisable. Favorite food, wooden workbench. Et ok. Right click open. Ah, ça c'est une table de craft portable. Donc on la fera après. Donc on a besoin de sheep. Ah, ça c'est des trucs différents. Ça c'est pas des mobs existants. Donc y a pas pour le. Ok. Y a pas pour le. Comment ça s'appelle? Le mouton. Voilà. Mais là du coup on a besoin juste de. Ok. Alors là je vais me balader. Alors, on va se balader un petit peu. Essayer de trouver en même temps dans les homes aussi. J'ai un home marais. Ça pourrait être là-bas qu'il y en a. Vache. Peut y avoir là-bas. En vrai, aux vaches. Voilà. Peut y avoir à côté des vaches. Des poulets. C'est quand même un petit peu probable. Mais pas non plus des masses. Mais il y a quand même quelques vaches, j'espère. Enfin, non, quelques poulets, putain. Je me confonds avec les noms, quoi. Parce que du coup, là, je cherchais des poulets. Mais j'ai vu des vaches. Alors, où est-ce qu'il y a des poulets? Côte, côte, côte. C'est des poules, c'est pas des poulets. Oh, un poulpe. Monsieur Poulpe. Et notre poulpe, il demandait. Ouais, non, j'ai pas assez, je crois. Mais du coup, il faut aller prendre plus les poulets. Voilà. Les. Oh, yes! On a des poulets juste là. Yes, vas-y, je vais tous les tuer en vrai. Parce que de toute façon, ils vont me donner des œufs avec avec le pet. Donc bon, on s'en fout, on en aura plein d'autres à faire spawn. Home base. Ok, ensuite il faut quand même savoir où est-ce que ça se craft. Squid pet ok, c'est la table de craft de base. Là, il nous faut. Ok, on a ça. Donc voilà, on descend un peu. Donc on a voilà notre diamant. Ensuite un peu de poulet, voilà. Des plumes. Et ouais, c'est bon, ok. Bon, on va juste faire un coffre en plus. Si je peux le f... Ouais, je peux le faire largement. Faire un coffre en plus, parce que là j'en ai beaucoup trop. Un, deux. Voilà. Un double coffre même, quoi. On est ok avec le double coffre, c'est bien plus grand. Et c'est bien plus pratique. Bah, je peux le mettre au-dessus en vrai. Je peux pas l'ouvrir. je vais pas le mettre au-dessus du coup. Si je peux pas l'ouvrir, voilà. On va le mettre. Ah bah on a déjà un autre coffre là, c'est vrai. Bah il faut miner un petit peu. Voilà. Et on se met notre coffre dans le coin. Non. Il n'y a pas assez de place non plus. Bon. Faut essayer de. Voilà. On va agrandir la base du coup. Parce que. Sinon, c'est pas assez grand. Voilà. On agrandit. Ok, et du coup là on va pouvoir se mettre notre coffre là dans le coin ici en fait. Ouais, dans le coin là. Et va falloir que je claim le chunk. Donc voilà. Hop, claim one. Et merde. 1 dollar. J'ai pas assez pour la monnaie. Pourtant, moi j'ai vraiment pas mal de monnaie. Si je regarde monnaie. J'en ai pas mal de mon côté à moi, perso. Sache, ah, chez perso, y a rien qui a été vendu. Donc, le coffre. Et, tout le bordel qu'on a, voilà, on pose là-dedans. On va juste récupérer les items qu'il nous faut. Donc ça, typiquement, voilà, ah, voilà, bah, on a notre or à faire cuire. L'or à faire cuire. Et voilà, ok. Donc typiquement si on déplace tout, on va normalement garder ce qui nous intéresse. Donc c'est pas là-dedans d'ailleurs, ouais, vu que je crois que je l'ai déjà mis là-bas. Et voilà, portable crafter, faut le garder quand même.
Je vais enlever les barrières. Ça, c'est un truc pour un... Ouais, c'est un autre craft, il me semble. Cobleu, voilà. Et voilà, c'est nickel. Et du coup, voilà, on a ça. Hop, voilà. Nickel. Du coup, ça ressemble à Redstone 4 coins. Il y a un lingot d'or. Nickel. Donc, on a Redstone aux 4 coins. Et, ah oui, mais on peut le faire. On peut le faire comme ça, voilà. 1, 2, 3, 4. Ça va pas l'enlever de toute façon. Parce que là, après, voilà, même si on fait ça, ok. Ça le fait pas. Ensuite, on a besoin de... Voilà, une plume. En vrai, c'est plutôt pratique ce truc du coup. Parce que c'est pas comme les tables de craft de base. Où faut carrément retenir tout le craft. Là, on peut le faire item par item. Parce que faut c'est manuel pour enclencher le craft après. Le lingot d'or. Le lingot d'or. Juste en dessous. Voilà, le lingot d'or. Qui est juste là. Et puis là. C'est le diamant, je crois. Non, c'est pas ça. What? Poulet. Redstone. Feather. Unset crafting table. On est sûr que c'est ça? Vraiment? Sûr et certain. On a 3 redstone en bas. Enfin, 2. Ensuite, 2 poulets. Un diamant. Ensuite, 2 redstone. Une plume. Ouais, c'est correct. C'est... Non, ok, je vois. Ah, putain, oh! Ah ouais. Ah oui, c'est Scara quand même. C'est pas de la merde. Donc, attendez. Le 16 carats pour le faire, si je me souviens bien, il y a besoin de poudre déjà. Non, c'est pas des pépites. C'est des pépites ou c'est... Ok, du coup, ça, tac, tac. Hop, ouais, gold dust. Ah, ok. Oh, merde. Merde, je viens de tout cuire. Putain, je viens de tout cuire. Il faut redescendre en miner. Et là, on a un petit squelette, vas-y, meurs. Il faut redescendre miner de l'or, en fait. Donc, home mine. Voilà. Donc, normalement, on a déjà vraiment beaucoup, beaucoup de... Voilà, on a de l'or juste devant, en fait. Ah, ouais, c'est problématique. C'est-à-dire que, voilà, ça a voulu l'enlever. Par contre, là, du coup, on a ça sur toute la ligne. Donc ça devrait quand même gérer. Et notre slash kit, on a tools. Il n'y a pas de la bouffe. Ouais. Donc, ok. Où est l'or? Il faut un peu d'or sur les côtés. On a émeraude. Ouais. En fait, on a des trucs hyper rares, mais on n'a pas ce qu'on veut. Il n'y a pas l'or. L'or n'est toujours pas là. Bon, redstone, redstone. Là-haut, rien. Redstone. Là, toujours redstone. Il y a tout sauf de l'or, en fait, dans ce que j'ai miné. J'ai tout pris, j'ai pris tout l'or, je crois. Il me semble que j'ai pris tout l'or, c'est obligé. Parce que sinon, j'en aurais laissé, en fait. Bon, il y a le home file, peut-être. Peut-être qu'il y a le home file. Ouais, file. Là-bas, il doit y avoir des trucs non minés. Ouais, là, oui. Oui, là, il y a de l'or. Là, il y a de l'or ici. Nickel. Parce que là, nous, on veut de l'or non cuit. Voilà. L'or non cuit, comme ça, on va pouvoir avoir notre pet chicken. Voilà, on a besoin de combien, je vois. En vrai, j'en prends beaucoup pour au cas où. Voilà. On en a pas mal. Ça fait 14. Ok. Si j'en trouve un peu encore en avançant, sachant que j'ai le home pour retourner au cas où je me perds. Donc bon, sur ce point de vue-là, on est en sécurité. Et là, il y a
pas d'or en plus. Peut-être là-haut. Hein? Ah, ça continue. Il y a un Enderman en tout cas. Et tu sais quoi? Oh putain, je voulais pas t'attaquer direct. Voilà, tu m'as attaqué, bah, je t'attaque. Mais du coup, je voulais pas t'attaquer direct. Ah, ça c'est cool. On a pas mal d'or aussi là. Bon, du coup, on a de l'or pour des pommes dorées aussi en plus si on veut. Voilà, on n'est pas déjà passé par là. Non, on n'est pas passé par là. Non, non, c'est... Bah, de toute façon, il n'y a pas de torche. Et ça ressemble pas entièrement. Ok. On est niveau 4. Hop, le creeper, je veux... Ah, bon, il a explosé. Je voulais pas qu'il explose. Hop. Avec un peu de redstone gratuite. Et home base. Voilà. Donc, alors, là, on va pouvoir se faire... Le reste du stuff en fait. Donc là, on a ce qui nous manque, c'est en fait ce qui nous manquait, c'était là voilà l'or tout court ici. Donc là, on a de l'or tout court. Voilà, on en met quelques-uns. Voilà, hop, merci. Ça nous en fait 6. Ensuite, du coup, ça fonctionne comment? Lingot 10 carats, 8 carats, 6 carats, 4 carats. Une gold dust en smelterie. Ah ouais, on n'avait pas réussi à voir la smelterie encore. C'est pour ça qu'on est dans le nether, je crois. Ah, bordel. C'est pour ça qu'on allait dans le nether. Mais, ah ouais, ok, du coup, il y a quand même un truc qu'on peut faire. C'est le portable crafter. Voilà, le portable crafter qui est juste là. Et qui nous permet de faire, voilà, une table de craft simplement. Non. Non, ils veulent pas. C'est de l'or, avec des carats à chaque fois, ils veulent pas. 16 carats à chaque fois. Ils veulent vraiment pas qu'on le fasse maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas des items à débloquer? Que je regarde des weapons. Donc cost 6 level. Je suis presque. Donc si on retourne au minage, on va pouvoir. Voilà. Oh bon, on a de la redstone juste à côté. Et là. Voilà. Donc là, nickel. Passage de niveau. Deux passages de niveau. Je suis niveau 7. Donc weapons. On a Sword of Beading. Ok, alors qu'est-ce que ça va donner comme craft? Ok, Blaze Rod, Emerald, Emerald, ok. Bon, il y a d'autres trucs à avoir à côté. Ensuite, 26 niveaux. C'est pas du tout de mon niveau, 26 niveaux. Magical Lump et tout. Portable Utilities, on a débloqué quelques-uns. Armure. En vrai, il y en a vraiment beaucoup, il faut aller forcément dans le Nether après. Donc le prochain épisode, de toute façon, je le fais dans le Nether. Mais un niveau. Ah bah voilà, un niveau. Ça me débloque. Ok. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. Clic droit, non, clic gauche, ça fait rien. On sait pas à quoi ça sert. Du coup, bah il y a quasiment rien. Food. Fortune cookie. Ça, je sais pas si c'est des cookies avec des cadeaux random. Je pense, mais je suis pas sûr. Du coup, débloquer et ça, tells you stuff about your future. Oh, ok. Bon, bah, j'ai débloqué plein de trucs un peu inutiles quand même. On va pas se le cacher, c'était plutôt inutile tout ça. Donc, là, comme stuff, je suis, bon. Ça va, le stuff en vrai. Je suis pas non plus full diams. Et on a notre portail ici qui va nous attendre pour, du coup, vraiment le prochain épisode. Je vais essayer de faire la vidéo avec mon pote au prochain épi. Eh! Hey!
Oh, t'es où? Putain. Il est où cet enculé? Il est invisible. Il est invisible. T'es où? T'es... Putain, il est où? Merde. J'ai pas envie de mourir. Mais il est où, sérieux? C'est quoi cette... Ah, ce squelette invisible. Là. Hop, hop, on ratisse, on ratisse. Ah, t'es chiant. T'es vraiment chiant. Beaucoup trop chiant, mec. Slash home base. Oh putain, un demi-cœur quoi. Un demi-cœur, les gars. À cause. Ah, home animaux. À cause de ce. Putain de. Ah, de squelette invisible de merde. Un demi-cœur. Ah, c'est violent. Back. Ouais. Ah. Je vais. Ok. Il n'y a pas de squelette là. On est d'accord. Bon, j'ai mis mon spawn au cas où. Un demi-cœur. Ah. Oh. Ça pique beaucoup trop. Bon, bah voilà. Je suis avec masse de flèches sur moi. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dargo. Tchuss!